C'est ce qu'on a appelé l'âge des ténèbres, parce que les êtres humains se sont fait des choses terribles. Le yoga dans lequel on est détermine la quantité de corps éthérique. Ils disent encore que c'est le Kali Yuga, parce que Krishna a dit que c'est le Kali Yuga. Mais la façon dont on crée la prochaine étape, ou la façon dont les prochaines générations vont vivre, est déterminée par nous. Eh bien, tout cela continue, que... au moins sur les chaînes d'information, ils disent encore que c'est le Kali Yuga, parce que Krishna a dit que c'est le Kali Yuga. Quand? Il y a 5124 ans. Donc depuis, l'aspect cumulatif de Kali, qui dure 2592 ans, est fini. Et Dwapara dure aussi 2592 ans. Cela va se terminer courant 2082. C'est-à-dire dans 58 ans. 58 ans. Presque 60 ans. Si vous vivez encore 60 ans, vous allez voir le Treta Yuga. Ça ne veut pas dire qu'en un jour, ça va devenir Treta. Voyez, quand on parle d'hiver, ça ne veut pas dire qu'un beau jour, c'est l'hiver. Ça arrive. L'été, ce n'est pas qu'un jour, soudain, c'est devenu l'été. Ça arrive lentement. Donc, ce qu'on appelle un yuga est une espèce de saison plus longue. Une saison de plus grande ampleur. Lors de ces saisons, en hiver, les arbres sont d'une certaine façon, les animaux sont d'une autre façon, au printemps ils sont d'une autre façon, en été ils sont d'une autre façon. De même, la vie sur cette planète est différente dans ces différents yugas, parce que c'est un super système de saisons. Donc Kali est une période où l'on est à l'extrémité du cycle elliptique. De ce fait, il y a de nombreuses façons d'aborder cela. Une chose importante, c'est que voyez, parmi les cinq corps, ou les cinq couches de corps que nous portons, en particulier en ce qui concerne les êtres humains, le corps physique, ou Anamaya Kosha, le corps mental, ou Manomaya Kosha, le corps énergétique, ou Pranamaya Kosha, et Vijnanamaya Kosha, ou le corps éthérique. La question, c'est toujours, quelle quantité d'Amaya Kosha tu as? À quel point ton Anamaya Kosha domine, ou à quel point ton Manomaya Kosha domine, ou à quel point ton corps éthérique, ou Vijnanamaya Kosha domine. Cela va déterminer ton fonctionnement. Donc ces saisons, d'une certaine manière, déterminent cela. On peut voir au cours des quatre saisons auxquelles on assiste, tout un... Dans ce pays, à 11 degrés de latitude, on ne les remarque peut-être pas tant que ça, mais elles existent. C'est seulement parce qu'ils les ont remarquées que le Tamil Nadu, à Margazimassam et Magamassam, et, vous savez, pardon, diverses autres dans tout le pays. Tout le monde voit ce mois comme un mois de morosité. Et donc les gens font des choses pour se dynamiser. Mais si vous allez dans les pays tempérés, les différences sont significatives entre l'hiver et le printemps, des différences phénoménales. Tu n'arrives pas à croire que tu es dans le même monde. Si tu y vas en hiver, tout donne l'impression que c'est la fin du monde. Le printemps arrive, boum, tout est de retour. Donc, au moins dans cette partie de l'hémisphère, dans la moitié nord de l'hémisphère, c'est comme ça. C'est l'inverse dans l'hémisphère sud, mais la même chose a lieu. Donc, de même, dans le supercycle aussi, la même chose a lieu. Mais en ce qui concerne les êtres humains, selon si c'est ton corps physique qui domine, ou corps mental qui domine, le corps énergétique qui domine, ou le corps éthérique qui domine, dépend aussi de la phase de ces cycles annuels réguliers dans une certaine mesure. Mais le supercycle détermine beaucoup plus. Le yuga dans lequel tu es détermine la quantité de corps éthérique. Ça ne veut pas dire que c'est un facteur déterminant de façon absolue. Ce n'est pas un absolu, c'est une influence. Vous pouvez être dans n'importe quel yuga et être fantastique. Vous pouvez être dans n'importe quel yuga et être une pagaille. Cette expérience de tout ça n'est pas une question d'être bon ou mauvais ou d'être un... Les gens disent tout le temps, voyez, dès l'instant où tu portes un jugement,
sur quelque chose, quelqu'un devient un pécheur et quelqu'un devient un saint. Comment est-ce que cela arrive? Tu établis des valeurs, si quelqu'un n'est pas à la hauteur, c'est un pécheur. Si quelqu'un est à la hauteur, c'est un saint. Mais ces valeurs n'arrêtent pas de changer d'une géographie à l'autre, d'une époque à l'autre, d'une période à l'autre. Elles changent. Ce n'est pas la chose importante. L'important, c'est de comprendre que lorsqu'on est assis ici, nous sommes qui nous sommes. Nous sommes une conséquence de ce qu'on fait en nous-mêmes. Maintenant, la question, c'est seulement, ce qu'on fait en nous-mêmes, cela se passe-t-il consciemment ou inconsciemment? Si on le fait consciemment, la conséquence sera telle qu'on la veut. Si on le fait inconsciemment, la conséquence est aléatoire. Et la conséquence aléatoire peut être parfois très douloureuse, parfois source de problèmes pour vous, en grande partie pour les autres. Allô? Si vous commencez à jouer au fou, vous êtes perturbé, bien sûr, mais vous obtiendrez peut-être plus d'attention. Mais les autres souffrent beaucoup, les gens autour de vous. Donc, ces aspects ne sont pas absolus, mais c'est l'influence générale. Eh bien, durant le Kali Yuga, qui s'est terminé il y a plus de 2000 ans, on a appelé ça l'âge des ténèbres, parce que les êtres humains se sont fait des choses terribles. Et non seulement ils ont fait des choses terribles, mais ils l'ont fait à grande échelle. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait des choses terribles au Dwapar Yuga. On en a fait aussi. Mais tout de même, ce n'est pas la norme. Au moins, on sait que c'est mal. C'est la grande différence. Si vous faites une chose terrible, au moins vous savez que ce n'est pas la chose à faire. Vous pensez que c'est la bonne chose à faire, alors c'est autre chose, parce qu'il n'y a pas moyen de se corriger. Ça va devenir le mode de fonctionnement du monde lui-même. C'est ce que ça a été par le passé. Beaucoup, beaucoup de choses qu'on pense impossibles de la part des êtres humains étaient couramment faites par le passé et acceptées comme les bonnes choses à faire. Donc, nous sommes tout près du Treta Yuga. On n'a pas besoin de l'attendre. Voyez, ça n'a pas attendu, ce n'est pas encore l'été, mais ça nous fait déjà transpirer. Pourquoi n'aurait-on pas, nous aussi, un temps d'avance? Allô? Donc, c'est pour ça que c'est très important. Est-ce que les générations précédentes posent les bases de quelque chose ou pas, détermine l'ampleur de ce que la prochaine génération va construire, n'est-ce pas? Ça vaut pour une maison, ça vaut pour une nation, ça vaut pour votre conscience. L'ampleur des fondations que les gens ont construites va déterminer l'ampleur de ce que les générations futures vont faire. Donc, c'est là qu'on en est en termes d'époque. Vous ne verrez peut-être pas le glorieux palais qui va être construit dessus, mais au moins, vous avez posé les fondations et vous avez peut-être construit une pièce témoin dont vous profiterez aussi, un petit palais. Ce qu'on commence à faire de bien des façons. Il y a des tas de gens qui n'arrêtent pas de propager que la vie empire de jour en jour, la vie empire de jour en jour. Mais s'il vous plaît, regardez comment les gens vivaient ici il y a 500 ans. Comment on vit aujourd'hui? Est-ce que tout n'est pas mieux? Tout? En particulier les femmes. Vous devez dire un grand oui. Parce que pour les femmes sur cette planète, la vie n'a jamais été aussi bonne, partout dans le monde. All over the world. Donc, la façon dont on fait le prochain pas est entre nos mains. On est comme ça parce que quelqu'un a construit quelque chose de fondamental, donc on en est arrivé là. Mais comment on crée la prochaine étape, ou comment les prochaines générations vont vivre, est déterminé par nous. Donc à une époque comme celle-ci, quand je dis à une époque comme celle-ci, quand on passe d'un yuga à un autre, quand la saison passe de l'hiver au printemps, on doit être prêt à fleurir. Allô? À bien des égards, l'époque à laquelle on est très significative, parce que
Je ne le verrai peut-être pas, je ne le verrai pas. Mais beaucoup d'entre vous, les jeunes, le verront. Qu'on passe du Dwapara Yuga au Treta Yuga.